Alors, je m'appelle Iglesias Yuan, donc je suis salarié de l'UDAF du Nord, qui est l'Union départementale des associations familiales. Et donc, du coup, j'ai été embauché pour gérer le dispositif Respire, pour lequel je suis venu expliquer un peu ce qu'on recherche. Alors, l'UDAF du Nord, c'est l'Union départementale des associations familiales, qui a pour but de représenter les familles au niveau des pouvoirs publics et propose également des dispositifs pour les familles du département, dont Respire. Respire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une action de parrainage de proximité. Donc, c'est un réseau d'entraide, de solidarité, de partage dans le respect et l'intérêt de l'enfant. Ça a pour but, du coup, de permettre à des familles qui se sentent éventuellement fragilisées de pouvoir nous interpeller et interpeller des bénévoles qui sont là pour parrainer les enfants et de permettre, du coup, de créer une relation affective et de nouer un lien privilégié avec cet enfant. Alors, le programme de la rentrée pour Respire, ce sont les réunions d'information qui auront lieu le 14 octobre et le 25 novembre dans les locaux de 17h30 à 19h30, ainsi que le vendredi 23 octobre de 14h à 17h30. Avec en plus, pour les actions collectives qui ont lieu pour la mise en relation de parrainage, le samedi 31 octobre de 14h à 17h. Tout d'abord, on recherche donc beaucoup de bénévoles de profils totalement différents. Et le but, c'est de, si on a un petit peu de temps, que l'enfance nous intéresse, c'est de pouvoir s'investir auprès d'un enfant pour lui permettre donc du coup de créer cette relation privilégiée, pour lui permettre de se développer et de s'épanouir. Vous pouvez nous retrouver donc sur la page Facebook de Respire, Respire 59, où il y a toutes les actualités de l'action. Et vous pouvez également nous contacter donc sur l'adresse mail respire@udaf59.org.